Donc, on est obligé, c'est comme si, imaginez que vous ayez une petite fenêtre de 3 ou 4 caractères, par exemple, c'est un petit peu plus large encore, hein, mais on a une petite fenêtre de 3 ou 4 caractères à travers laquelle on voit précisément les lettres, et du coup, on est obligé de déplacer nos yeux pour pouvoir lire. Et donc, c'est le rôle justement des mouvements oculaires de diriger le regard sur une cible nouvelle pour placer une image sous la fovéa, qui est la région auriculaire la plus sensible aux détails. Alors concrètement, lorsque votre œil est ici, c'est ce qu'on appelle l'empan visuel, on voit précisément 4 caractères, et puis on peut percevoir encore 4 à 5 caractères à gauche et une quinzaine de caractères à droite. On sait que l'empan visuel contient un maximum de 20 caractères. Et au-delà de ces 20 caractères, en fait, on ne perçoit rien, on ne peut pas lire. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons ce qu'on appelle des saccades, des déplacements oculaires, qui sont extrêmement brefs et rapides, 40 millisecondes, c'est vraiment très bref, et des fixations qui durent un quart de seconde, 250 millisecondes en moyenne en lecture du texte. Et ces fixations, c'est le seul moment où on prend vraiment de l'information, et en un quart de seconde, on arrive à reconnaître des lettres, les appareiller dans notre cerveau à le gabarit qu'on a déjà par rapport aux lettres, mettre en relation les mots qu'on est en train de lire avec un lexique mental, et lier, faire de la compréhension par rapport à ce qu'on est en train de lire, et lier tout ça à nos connaissances antérieures. Vous voyez, en 250 millisecondes, tout ce que notre cerveau est capable de faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet endroit en perceptif, il est asymétrique, donc comme je vous l'ai dit, il y a 4 caractères à gauche et une quinzaine de caractères à droite de la fixation. Et surtout, cette asymétrie s'inverse selon le système d'écriture. Donc, lorsqu'on lit l'arabe, il est bleu, et bien les 15 caractères sont plutôt à gauche et à droite. Voilà. Et cet endroit va varier selon la complexité du texte. Donc, ça, c'est ce que je vous disais. On va détecter, identifier le mot pour prendre un texte. Que ce soit, pourquoi je voulais montrer lecture musicale, lecture de texte et lecture électronique? Parce qu'on voit bien que ce soit la lecture, quelle que soit la lecture, nos déplacements oculaires sont toujours très dépendants de notre expertise et du texte à lire. Et justement, sur ce type de support, on voit bien que les experts prennent juste l'information là où ils ont besoin, parce qu'ils ont déjà toutes les connaissances en mémoire pour pouvoir efficacement jouer cette partition de piano. Alors que les non-experts, ils vont faire beaucoup de saccades régressives, ils vont faire des fixations beaucoup plus larges. Voilà. Alors j'espère que sur ça, ça va marcher. Voilà. Alors, voilà comment se comporte un lecteur lorsqu'il fait de la lecture de texte. Vous voyez, il fait des saccades, les petits déplacements, c'est des saccades, et les ronds, ce sont les fixations qui durent plus ou moins longtemps selon la difficulté du texte à lire. Et l'idée, c'était de comparer, si ça marche, avec de la lecture sur écran d'ordinateur, mais sur un site, par exemple, là, c'est le site de Science et Vie. Alors, vous voyez, bon, c'est dommage, normalement c'était en dynamique. Donc, sur un site, vous voyez qu'ici, c'est plutôt de l'écrémage, ce qu'on appelle nous de l'écrémage, c'est de la prise d'information, c'est pas vraiment de la lecture linéaire, pour prendre l'information, c'est plutôt, on va voir les images, on est attiré par un titre. Éventuellement, on rentre dans le texte qui nous intéresse par rapport au titre, puis on papillonne à droite à gauche. Hein. Nous, c'est plutôt, on appelle ça plutôt de l'écrémage. Et en ce moment, celle-là, ça ne marche pas, je ne peux plus la faire. Parce que, avant la fille, je m'adore. En ce moment, on est en train de mener une expérience au lutin, justement, mais. 8 sur 2, c'est pas mal, c'est une bonne manière. On a une expérience au lutin, mais enfin au conservatoire de Nice, sur la lecture là. Ce que vous voyez là, ce sont les parcours oculaires de deux lecteurs. Hein. Ce ne sont pas deux yeux qui sont complètement. Donc ce sont deux lecteurs, en bleu le premier et en violet le second. Et on peut comme ça visualiser grâce à l'outil que nous avons, donc au lutin.
peut visualiser la lecture de, par exemple, une dizaine de lecteurs et comparer leur stratégie de lecture. Donc là, ce qu'on a fait, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on... Alors, j'ai pas encore les résultats, je peux pas vous les donner, mais on fait écouter à des jeunes musiciens qui sont... Alors, on compare un groupe de musiciens à un groupe de non-musiciens. Donc, on fait écouter à ces jeunes-là, dans le casque, de la musique avec des paroles. Musique et paroles, musique issue de la chanson française, il y a du texte à comprendre pendant qu'ils lisent. Hein. Ou bien ils écoutent, dans le tiers des cas, ils écoutent que la version instrumentale, et dans le tiers des cas, ils n'ont rien dans le casque. Et l'idée, c'est de savoir s'ils sont perturbés, parce qu'on sait que nos jeunes, ils écoutent beaucoup de musique en travaillant, et est-ce qu'ils vont être perturbés en faisant de la compréhension du texte. Donc, et on compare justement, alors pourquoi on compare musicien et non-musicien? Parce que moi je me dis que peut-être les musiciens traitent également la version instrumentale comme de la musique qui a du sens et qu'ils vont être également perturbés par la musique. Bon, c'est pas encore, on est en train de faire des passations, mais j'ai quand même pu vous rapporter ça. Donc voilà ce qu'on peut obtenir, ça s'appelle des cartes de chaleur. Et ça vient de sortir, c'est juste passé il y a 2 jours. Hein. Donc exprès pour vous. Donc des cartes de chaleur, donc, parce que, comme son nom l'indique, chaleur, là où c'est rouge, c'est que la majorité de nos participants ont regardé cet endroit, enfin c'est l'endroit qui a été le plus regardé statistiquement. Hein, donc vous voyez, et on a également, ce qui est intéressant, on peut retirer comme ça des focus maps, on voit où s'est porté leur attention, où ils ont ce qu'ils ont eu le plus comme mot. Et ensuite, évidemment, on ne s'arrête pas à ça, on fait des analyses statistiques avec les différentes conditions. Puis on viendra vous présenter les résultats. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on leur propose, donc ils écoutent, ils lisent, ils doivent faire la compréhension de texte. Donc ensuite, ils ont une question qui porte sur le texte. Là, c'était un texte qui portait sur l'eau minérale. Et là, la question, c'était l'eau de gagne une goutte d'eau au contact du gaz carbonique. Et on peut suivre, alors c'est un QCM, ils ont le choix entre 3 réponses, et on peut suivre en temps réel leurs hésitations, leur clic sur la souris, et c'est ce qu'on voit là. Bon. Donc il y a eu pas mal de travaux sur justement les différents profils d'inscription lors de la consultation de pages web. Donc par exemple, une équipe finlandaise, ici voilà les collaborateurs, ont mis en évidence qu'il y a. On peut mettre en évidence différents profils d'inscription, par exemple, lorsqu'on est à 600 mots par minute, quand on parvient à lire 600 mots par minute, c'est plutôt du balayage. 450 mots par minute, c'est de l'écrémage. La lecture, c'est en moyenne 300 mots par minute. Et puis vous voyez, plus on descend, plus la charge cognitive est importante, plus l'activité est cognitive, on va dire, puisque plus on a besoin de faire l'apprentissage de la mémorisation, et moins on peut lire 2 mots par minute. Ce qui paraît assez logique. Voilà, alors je vous disais ce qui est différent entre le support papier et le support écran. C'est d'une part la lumière. Lorsqu'on est sur support papier, l'éclairage est naturel ou artificiel ici, mais en tout cas l'éclairage vient de l'extérieur. Alors que sur support électronique, l'éclairage, c'est ce qu'on appelle du rétroéclairage, parce que l'éclairage provient de l'écran lui-même. Donc ça peut être vraiment facteur de fatigue visuelle. Si on reste trop longtemps sur l'écran. Ce qui change fondamentalement, c'est le mode de présentation, qui devient dynamique sur l'écran d'ordinateur, puisqu'on peut faire du scrolling, alors que sur papier, c'était un mode de présentation statique. Et là aussi, on peut être à un moment donné un petit peu perdu, parce que lorsqu'on lit un livre, on lit non seulement le contenu du livre, mais on fait ce qu'on appelle du repérage, enfin, on envoie aussi en mémoire la disposition spatiale de l'information, ce qui fait qu'on peut retrouver facilement, on sait retrouver facilement une information sur un livre. Alors que là, avec le scrolling, ça devient un petit peu plus difficile, on est obligé de tout reprendre depuis le départ. On perd ce codage spatial, on perd le bénéfice de ce codage spatial, pas complètement, mais il est diminué. Et puis, la différence également, c'est le type de lecture. Alors là, ça devient vraiment très intéressant parce que c'est vrai que sur un livre, le type de lecture est linéaire. Et là, avec le web, on a la possibilité de naviguer d'une page à l'autre grâce au lien hypertexte.
Et nous, c'est ce qu'on appelle le risque de désorientation cognitive, parce que on peut au départ chercher une information portant sur un thème précis, et puis de lien hypertexte en lien hypertexte sur lequel on va cliquer, au bout d'un moment on se retrouve sur une page qui porte sur un thème qui nous intéresse certes, mais qui n'est plus du tout relié à ce qu'on cherchait au départ. Et voilà, ça peut être un petit peu désorienté. Et enfin, ce qui est vraiment la grande différence entre le support, ce qui représente la grande différence entre support papier et support écran, c'est la multimodalité. Sur le support papier, là, on avait du texte et puis des images, éventuellement on avait l'encadré d'un encadré, et puis avec une image. Maintenant, sur le web, on a une grande variété de possibilités. Donc on a évidemment du texte et des images comme sur les supports papier, mais également du son, des vidéos. On a accès à une multitude d'informations et qui sont présentées dans différentes modalités. Et on va voir, c'est ce que je vais développer vers la fin, on va voir justement quels sont les apports de cette multimodalité et quels vont être les écueils de cette multimodalité. Alors, je vous disais qu'en un quart de seconde, nous pouvions mettre en place des processus très rapides et très efficaces. En voilà des exemples. Ça, c'est assez connu. Le texte que je vous ai présenté à gauche est assez connu. Donc, c'est l'idée que si on garde la première et dernière lettre d'un mot, finalement, notre cerveau compense et on peut quand même lire le texte. Et puis, de la même manière, si là, vous voyez, on vous a remplacé certaines lettres, mais vous ne l'avez pas remarqué, si je les encadre pas, si je les entends pas, vous ne les aurez pas remarqués, parce que là encore, on compense l'information, notre cerveau compense, et là aussi, de la même manière. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que si je vous donne cette partie-là, vous n'arriverez pas à affirmer l'information. Par contre, de cette manière-là, vous arrivez à le construire, et puis je pense que même si je vous avais donné que le haut, vous seriez arrivé à reconstruire parce que dans la moitié supérieure de l'écriture, en fait, on a toute l'information, on a des hanches, etc., et on n'a pas le même profil. Alors que dans la moitié inférieure d'un texte, c'est toujours très linéaire, on a du mal à dissocier des lettres d'une lettre de l'autre. Alors, le scrolling, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut créer de l'instabilité spatiale et dégrader notre mémoire spatiale. Et surtout, comprendre le texte, eh bien, c'est tisser des liens entre différents niveaux et c'est trouver de la cohérence. Donc, en fait, on va mettre en relation le mot qu'on est en train de lire avec la phrase précédente, avec le paragraphe, le texte précédent qu'on a lu et surtout, avec nos connaissances qu'on a en mémoire, nos connaissances individuelles qu'on a en mémoire. Et selon qu'on soit plus ou moins expert dans un domaine, on va pouvoir plus ou moins facilement lire le texte et trouver la cohérence. Donc, trouver la cohérence entre les mots et les phrases, ça, c'est ce qu'on appelle la lecture profonde et attentive. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'essaie de vous montrer sur le site de Sciences et Vie. Sur le web, c'est plutôt de l'écrémage que de la lecture profonde et attentive. Et en fait, les hypertextes, donc les liens dans le texte, sont souvent des hypermédias qui vont nous entraîner vers des informations de différents types.